les oreilles d'amour. Coucou les oreilles d'amour de Laetitia. Et coucou les carrosses d'amour. On est fatigué. Voilà, depuis le matin qu'on est sorti, nous sommes accompagnés au marché. Maman. On a eu qu'on sortait pour quelques heures. On a eu c'était quoi? Nous voici, c'est maintenant qu'on rentre. Voilà, donc on a passé une agréable journée à faire les courses. Vous voyez donc. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que, en fait, c'est que ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps. Je ne suis pas sortie de la maison le matin comme ça pour aller au marché. J'ai un pas pour le travail. En fait. Oui, c'est que ça ne concerne pas le travail. C'est ça qui les courses personnelles, les choses de la maison. Ça change. Ça change. C'est ça, en fait, qui me fait plaisir dans cette histoire parce que, comme d'habitude, quand on sort, c'est pour aller travailler. Après, on rentre et tout. Aujourd'hui, ce n'était pas pour travailler. On a passé toute la journée dehors. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas une liste prédestinée que non, on va acheter ça, on va acheter ça. On arrivait, c'est quand on voit. on vous expliquait. On avait quitté d'ici, on était supposé être trois. Passer la journée à trois avec Tata Kim. On est quitté d'ici là. On est parti chercher Tata Kim. On est allé à Renampo. Comme elle a perdu sa carte nationale d'identité, du coup, il fallait faire certaines opérations et tout ça. La carte qu'il lui faut, il fallait deux jours. Du coup, ça ne s'était pas encore sorti. Voilà, on pensait que ça allait sortir, tu sais pas encore sortir du coup. Là, on a mis du temps d'abord là-bas, le temps qu'il essaye de voir s'il peut faire quelque chose. Et tout ça. On était là-bas. On a quitté à quelle heure? 13h, 14h. 14h, plus 13h. 13h, parce qu'on a aimé. Il disait qu'elle peut revenir à 15h. Oui, voilà. Donc, à 13h40, comme ça, 13h, quelque chose. Maintenant, Tata qui m'est rentrée. Et carrément, on a continué parce que. Attends. Moi, on a continué en ville. On est parti à Orange, Cameroun, pour reconduire sa puce. On a même raconté l'histoire dans les TikTok, dans les. C'est quoi qu'on fait les Snapchat là-bas. Regardez. On est à Orange. Voilà. On va vous raconter quelque chose. Car on raconte. Ah, Kim et Caron Star, si vous savez ce qui m'est arrivé hier, c'est une dame film d'action, Letty. C'est une dame film d'action. Dans le taxi. Film d'action. On est en train de shopping. Voilà. On était dans le taxi. On a arraché le téléphone de Caro. Et c'est même pas ça le pire. Un nouveau téléphone. On a acheté à 16h. À 22h, le vrai propriétaire est venu récupérer. On dit que quand tu le. Ton jouet. Même la bouillie peut te casser la dent. Il dit que non, la banane lui a cassé la dent de Carouillet. On ne peut pas expliquer ça. C'est seulement c'est inexplicable. Parce que quand j'ai même crié, Letty s'est dit que non, peut-être dans le taxi, quelque chose m'a touché. Je me suis dit qu'il y avait la souris dans le taxi. Je ne pouvais pas imaginer. Parce que j'étais assise devant, on était dans le taxi. J'étais assise devant à l'Olinga. Caro était assise derrière avec deux autres passagers. Elle était née comme ça là. Ou, comment dit qu'elle est? Quand c'est ton jour, parce que je suis souvent d'avoir très prudente, quand il monte au taxi, je lève la vitre, je bloque. Je ne sais pas ce qui s'est passé le jour là. Moi-même, je ne sais même pas, je n'ai même pas regardé derrière. J'ai seulement entendu que. Wow! Je dis que. Et tu dis qu'il me tourne. Et tu dis que le voilà qui part avec. Il arrache mon téléphone. Et puis, c'est ça même mis long. Parce que Olivier a eu le temps de voir que le gars était brun. Oui. Il était brun? Oui. Pardon, c'est décembre. On nous a déjà vaccinés. Donc, faites attention. Soyons prudents. Aïe! C'est grave, soyons prudents. Parce qu'il y a les gens ici là, eux, ils ne veulent pas souffrir avant d'avoir quelque chose. Ils veulent ce que les autres ont déjà souffert pour avoir. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils portent les malchances des gens. Parce que quand tu vas voir tous ces volets là, ils sont quoi? Ils sont misérables, ils sont miséreux. Ils n'ont rien. Chaque jour, ils font les mêmes bêtises, ils volent les mêmes choses, ils volent les petits. C'est comme si en fait le vol là, on leur a lancé ça au village. Parce qu'ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que tu vois quelqu'un qui est jeune. Il a ses deux mains, plein d'énergie. Pardon. Et ils ne savent pas que ce sont les malchances des gens qui votaient. Justement. Parce que moi j'ai mis ça dans le compte de mon salaire de la fin d'année. Voilà. Donc tous mes problèmes là, tous mes soucis que j'ai l'année là, il a nettoyé ça. Donc 2020, voilà, j'ancre dans la joie, la paix, la positive attitude, la soleil attitude. Vous voyez, donc nous on est dans la soleil attitude. Nous on est dans qui tu sais. C'est que tu ne suis pas encore en plus. Et tu vois, Laetitia, moi, elle me dit, moi aussi, tu vois, il y avait Joe ça que c'est quand ma femme me disait qu'il va acheter le téléphone. Mm-hmm. Mais j'ai voulu anticiper. Voilà. Nous sommes partis acheter le téléphone avant. Et puis. Et quand on est rentré, on a raconté au gars. Eric était seulement comme ça que tu sais. Le boss arrive, on arrive. On a même
même pas fini l'histoire. Donc voilà, avant que Ibrahim ne vienne nous chercher, on était en train de vous raconter l'histoire. Donc c'est ce qui s'est passé. Hier quand on rentrait du shopping, Caro était... On était dans les embouteillages. On était dans les embouteillages, on a pris le taxi, non. On est arrivé à la montée de... C'est Soumangué. Oui, oui, oui. Montée de Soumangué là, entre et Somba et Soumangué. Où il y a la poubelle là. Il y a un gars brun au village. Là, donc, arraché le téléphone de Caro dans le taxi. Ou qu'est-ce qu'il nous a même prié là-haut? Et le pire, mais le pire, c'est qu'il n'avait aucune raison d'avoir le téléphone à venir. C'est vrai. Parce que j'avais pas la connexion sur ça. Bon, c'était aussi l'enthousiasme parce que ça faisait donc, quelques heures que j'avais le téléphone là. Et tout. Ok. Caro dit seulement que. J'entends seulement que. Je regarde, j'ai eu l'impression qu'il y avait une souris dans le taxi qui avait. Elle dit qu'il a arraché mon téléphone. Non, mais elle rit, elle vient sur le téléphone. Le taxi m'a dit aussi que ouais, que c'est la première fois qu'on arrache le téléphone dans son taxi. Qu'il avait dit toujours, il ne sait pas. Il a... Donc on dit que quand c'est ton jour, c'est ton jour. Oui, parce que moi, je suis souvent prévoyante. Moi-même, je lève d'abord la vitre, je bloque. Quand donc, je suis montée là, je n'ai même pas regardé derrière pour voir. Donc, il est. Parce que c'était la nuit, on était fatigué. Donc le propriétaire. Avant, on ne peut même pas imaginer. Propriétaire a pris sa chose et puis voilà. Donc on allait reconduire sa puce. Heureusement, voilà, on a oublié. Heureusement que Dou avait deux téléphones. Oui. Il m'a donné directement notre téléphone. Oui. Mais moi qui était là, un fâché comme notre téléphone. Oui, il était un peu fâché, oui. Mais on lui a expliqué qu'il faut garder la soleil à l'étude. Il a compris que oui. Il dit que même pas 6 heures de temps avec quelque chose. Et puis quand on est parti acheter le téléphone là, non, avec Dou. Là-bas, il a commencé à prévenir parce que. C'est la troisième fois que j'ai perdu l'affichage de ce téléphone-là. Il m'a prévenu devant le vendeur que. Si ton téléphone si a encore un problème, que mes deux téléphones si sont encore intacts. Parce que le premier téléphone de Dou, ça faisait plus d'un an qu'il avait ça avant que je n'aie ma part. On a rangé ma part, c'était à croiser parce que là où là, je dis non, gros, c'est con. Mais là, il m'a prévenu le matin que si c'est que ça a encore un problème avant mes deux téléphones si là. Tu vas le confier. Et le tout, si elle ne veut pas tomber, on a seulement brûlé. J'étais en train d'expliquer à Caro que moi-même, j'avais le syndrome de ça. Je ne sais pas comment dire ça. On me volait le téléphone jusqu'à. Si on ne vole pas, je perds. Si on ne vole pas, je perds. Quand je fréquentais encore, je faisais que j'étais terminale. Comme ça. On a donc. Tu vois le genre que quand c'est que on entrait même dans la maison, on vole le téléphone. Tu n'es pas à l'école, on vient à la maison, vous êtes à l'école, tout le monde est sorti, on casse la porte, on entre, on vole les choses, on vole ton téléphone. Donc ça même pas les gens où tu marchais. Tu imagines juste qu'ils enlèvent ta puce. Ouais. La dernière fois que je perds mon téléphone, c'est le 14 février 2019. Je me lève, je pars au bureau. William avait encore les locaux à Mimoman, les Mips Mimoman. Je pars là-bas. On ne travaille même pas encore vraiment, vraiment ensemble. On ne travaille même pas ensemble parce que j'ai fait ça cuit en juillet. J'ai fait ça cuit en juillet. Oui, parce qu'il y avait en juillet 2019, oui. On avait les locaux, j'écrivais seulement les scénarios. Donc, je ne travaille même pas encore avec lui. Je suis partie, on s'était pris la tête là-bas, je suis rentrée dans la cité. Ma soeur vivait là-bas à l'école de poste. Je ne sais pas comment mon téléphone avait fait pour disparaître. Je ne sais même pas s'il était arrivé à nous avoir mon téléphone jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas. C'était la dernière fois. Donc, toi-même, c'est la dernière fois qu'un truc comme ça t'arrive dorénavant. C'est fini. C'est à briser. On m'a même demandé d'aller porter plainte. Et qui ne porte pas plainte. C'est mon salaire qui a de la fin de l'année. Oui. C'est mon salaire. Elle t'a donné ses problèmes. Problème. Je crois qu'elle a eu les problèmes l'année-ci. Donc, quand j'avais fait ma prière le soir, elle dit que Seigneur, toi-même, tu vois la sueur du front. J'avais dit que plus de téléphone, tant qu'il n'y a pas encore les entrées d'argent, mais on s'est sacrifié, on a fait au téléphone. Mais tu es venu prendre. Mais en France, il est venu prendre ça avec nos problèmes. Tu as fini ton yaourt. Maman, ça va. Donc, en fait, c'est ça. On est parti à Orange, on a reconduit sa puce. Voilà. Et voilà. Freddy, donne un peu les fleurs là. En fait, vous allez voir ça là-bas. Donc, voilà. On voulait acheter les modèles standards qu'on achète souvent là. Et puis, on est tombé sur ceci. Ça nous a séduit. C'est vrai qu'on voulait c'est un peu plus petit, mais bon, on n'a pas compris à fond ce qu'on voulait. Bon, le truc, c'est qu'on a laissé qui reste fait. Nous, on est parti faire du rocher. On est revenu, c'est comme ça qu'il avait fait. Le plus important, c'est qu'on a acheté à un soleil.
L'autre bouquet, comme vous voyez. Dit, c'était deux ans. Ça fumait Mmh. La coupe, c'est trop bien. Oui, pas c'est besoin original. De... Oui, pas besoin c'est de... pas comme ce que... On a fait quand je suis arrivée là-bas, je lui ai dit que ça, il doit faire la salade de fruits, que c'est la salade de fleurs. Comme ça, moi, je ne voyais pas que c'est la salade. C'est la salade de fleurs. La salade de fleurs. Maman, viens. Ouais. Viens, maman. Viens, mon cœur. Viens. Da, 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 da. Soleil, 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 soleil. Et alors, viens. Viens maman, maman. Elle nous a surpassé, alors qu'on dit qu'elle doit venir. Viens, maman, viens alors. Viens non, viens. Deux, ah deux, là. Deux, deux, ah deux, là. Deux, deux. Hey, on peut crâner comme ça. Bon, on a acheté les choses. Ça c'est pour Caro. On a acheté les plats de Tata Kim. Et c'est bien. Oui, aussi les plats de Tata Kim ici. Avec ses cuillères et ses pichets. Bon, à côté de ça, on a pris un peu de colle et on a aussi surtout pris ce jeu de tasse. Donc, voilà ça. Laisse, maman, laisse. Après, bon, tout le chemin du retour là, on a essayé d'acheter. Mais c'est au balai. Maman, prends, tu t'as acheté les chaussettes. Prends, ça c'est pour toi. Il y a le plastique là. Et on a pris les gobelets. Maman, les bébés. On t'a aussi pris les gobelets. Voilà ton gobelet. C'est toi qui as pris deux gobelets là. Bon, c'est tout, hein. Ça, c'est pour emballer les cadeaux de Noël. Parce que moi, je vais emballer les cadeaux. Voilà. Les deux. Je vais emballer les cadeaux. Voilà. Donc, mes soleils d'amour. On a bien fait notre marché. Et vous avez remarqué, Olinga était de beaucoup. Donc on faisait seulement les snaps. Et on faisait très attention pour ne pas subir la même vaccination qu'on a subi hier. Voilà, on vous aime très fort. Hein. Prenez bien grand soin de vous. Gardez le Seigneur vous protège. En cette année, parce qu'après les bâches dehors, il vous dit. Non, c'est pas il y a des récupérateurs. Donc soyez prudents. Oui, soyons prudents vraiment. On vous aime très fort. Gardez surtout la soleil attitude, c'est-à-dire la positive et la zen attitude. Et gardez aussi la Caro attitude. Bisous, bisous. Pourquoi? Comment as-tu pu faire ça à ta soeur? C'est bon, on peut partir. Tu as déjà dit oui, non? Alors? Je vois de l'angoisse dans tes yeux. Permets-moi, n'est-ce pas? Les yeux dans les yeux. De mettre ce jeu au sol. Qu'est-ce qui te tracasse? Chérie. L'homme que j'aime est sur le point d'épouser ma petite sœur et je ne peux pas laisser ça se produire. Donc c'est vrai. Donc je ne suis pas en train de rêver. Je ne voulais pas vous tuer. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas tuer qui?